Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans la vidéo aujourd'hui à côté nous pour apporter tout ça qui a dominé l'actualité football là pour dans le pays de la France selon le journal Sartre qui a rencontré secrète qui était faite entre Paris Saint-Germain avec Zinedine Zidane. Toujours dans le pays de la France, nous avons venu avec victoire équipe Monaco à lui-même qui veut qualifier dans la Ligue Europa 2 goals à 1 sur Real Sociedad. Et pourquoi pas équipe Rennes dans lui-même qui fait 3 goals partout face avec Vitesse, nous avons venu avec réaction de la presse pour ce match là. Nous avons arrivé dans le pays d'Italie côté Journal Sali, venu avec un résumé mercato qui parle vraiment fou dans le pays d'Italie. Et pourquoi pas Journal Sali même tout qui vient sous gros match qui va gagner pendant le week-end ça dans le pays d'Italie. Nous avons arrivé dans le pays d'Angleterre côté Ralf Rangnick, international allemand, c'est lui-même qui parle diriger l'équipe Manchester United là. Et pourquoi pas nous arriver tout dans le pays d'Espagne avec Journal Sali qui fait qu'on est que eh bien, FC Barcelone qui a cherché un attaquant de pointe et Edinson Cavani qui piste là-dedans. Et toujours bon côté FC Barcelone, Ousmane Dembélé a supposé quitter l'équipe ça pour qu'il rejoigne Newcastle dans le pays d'Angleterre. C'est une vidéo qui gagne tout ça qui a dominé l'actualité football dans le monde. On a tourné après pour ça pour plus de détails. Pour. On commence dans le pays de la France avec Europa League. La côté de gagne un choc qui te mette face à face équipe Monaco à domicile face avec l'équipe Real Sociedad là. Le journal l'équipe est venu sous victoire ça pour mettre à la une Monaco, bon camarade. Le journal qui a l'épine pour le faire connaître que grâce à Kevin Volland et Youssouf Fofana, les buteurs du soir, Monaco est assuré de terminer premier de son groupe et accompagnera Lyon en 8e de finale. Et toujours dans le pays de la France, cette fois-ci dans la Ligue Europa Conférence, et Meguet qui prennent qui fait 3 goals partout à domicile face avec Vitesse en même. Le journal l'équipe qui consacre une deuxième une avec le bonheur en 3D. Porté par un triplé de Gaëtan Laborde, Rennes désormais invaincu et depuis 12 matchs et s'assure la première place de son groupe et une qualification pour les 8e de finale. On continue toujours dans le pays de la France cette fois-ci avec une nouvelle sous entraîneur puisque régional Le Parisien lui-même qui mettait à la une Paris Saint-Germain Zidane la rencontre secrète. Journal là qui allait plus loin pour le faire connaître que l'équipe Paris Saint-Germain était rencontrée avec Zinedine Zidane en secrète pour parler de l'avenir de l'équipe Paris Saint-Germain. Hein. Journal là qui allait plus loin pour le faire connaître qu'une star pour entraîner des stars. La direction du Paris Saint-Germain a entamé depuis quelques semaines des négociations avec Zinedine Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino. N'a pas bloqué, mais selon un pile journal, Mauricio Pochettino qui a supposé reprendre tête équipe Manchester United là pendant que Zinedine Zidane a supposé venir remplacer l'équipe Paris Saint-Germain. Et nous avons toujours été dans le dossier entraîneur dans le pays Portugal avec le journal Abola qui vient avec un pile déclaration de Jorge Jesus. Actuel coach équipe Benfica de Lisbonne, ancien coach équipe Flamengo dans le pays Brésil et Melifer qu'on est arrivé entraîné jusqu'à ce qu'il ait 75 ans. Actuellement, il a fait 600 matchs comme entraîneur dans le pays Portugal, mais quand même, il mettait un petit leçon dans la Ligue des Champions pour le faire connaître que ça, son rêve, il doit concrétiser. N'a pas évoqué l'équipe Benfica de Lisbonne qui sont concurrents directs pour FC Barcelone pour qualification en 8e de finale. Juste avant nous répondre, nous quittons dit merci avec tout le monde qui a supporté le travail ça et nous besoin en pile kounia même pour aller like page Facebook channel là qui c'est Foot Actu. Nous créons page ça pour nous informer de tout ça qui a passé dans le monde football là. Allez kounia dans la description vidéo ou bien dans le premier commentaire ou qui fixé en bas vidéo ça. Cliquez sur lui pour like page là kounia. Sur mes travail ça tout bon mes amis, allez sur Facebook là marquez Foot Actu ou bien allez dans le premier lien ou qui en bas dans le commentaire là pour aller nous love là sur Facebook. On a toujours été dans le match de gagné hier, l'équipe Tottenham lui-même qui était en déplacement pour affronter l'équipe Murat. Mais définitivement, c'est une défaite surprise pour l'équipe Tottenham 2 goals à 1. Le journal Metro Sport dans le pays d'Angleterre qui mettait à la une quel cauchemar, même fait jeu de moi avec Murat pour mettre à la une What a Nightmare. Donc, il fait qu'on était définitivement l'équipe Tottenham qui pas capable de faire rien plus que une défaite en déplacement. Qui est plus petit dans le groupe là, équipe qui est plus faible dans le groupe là. Mais quand même après match ça, Antonio Conte qui fait prendre tête équipe ça, il te fait déclaration pour le faire qu'on est que Emily Payon magicien donc il n'est pas capable de faire miracle avec l'équipe Tottenham. Non? Pour rappel, dans le match aller, l'équipe Tottenham a gagné équipe ça 5 goals à 1 dans le pays d'Angleterre, mais dans le pays Slovénie, il est arrivé tomber 2 goals à 1 en déplacement. Mais on parle toujours dans le pays d'Angleterre, cette fois-ci, bon côté dossier entraîneur avec Journal Sali même qui c'est Daily Mirror qui fait qu'on est que Emil Rangnick lui-même est capable de venir dans l'équipe Manchester United là. Journal la mettait à la une, est-ce que c'est ou même Rangnick? Il fait qu'on est que international allemand qui a 63 ans sous tête le club et un coach intérim équipe Manchester United là pour le club assurer jusqu'à fin saison et après ça pour le club venir 2 ans comme conseiller dans l'équipe Manchester. Mais journal là tout qui a l'épine pour le faire qu'on est que Arsenal qui t'a remé gagner service Arsène Wenger encore une fois dans l'équipe ça. Et toujours dans le pays d'Angleterre, nous avons venu avec Journal Sali même qui c'est des Guardians qui viennent sous équipe anglaise qui était engagé dans la compétition européenne. Il fait qu'on est que gagner des gagnants et des losers également.
Si l'équipe Tottenham était tombée, mais quand même, West Ham qui arrivait gagner en déplacement et Leicester City tout qui arrivait battre à domicile. Mais toujours sur dossier coach dans l'équipe Manchester United là, ML Journal là qui confirmait que l'équipe Manchester United là t'a tout prêt pour le cap annoncer Ralph Rangnick comme nouveau entraîneur intérim. Les mêmes qui pas manquer éloge, mais quand même, descend les mêmes qui mettait à la une Rangnick comme un entraîneur intérim pour 6 mois. Journal là qui même allait puis même pour le faire connaître que Rodgers avec Mauricio Pochettino et mais une là-dedans a attendu jusqu'à été à pour qu'il prenne tête équipe ça définitivement. Mais actuellement, c'est Ralph Rangnick lui-même qui comme favori et qui t'a supposé tout prêt là pour annoncer comme nouveau coach équipe Manchester United là. Nouvelle ça, lui-même qui fait la une également dans le journal ça qui mettait à la une Manchester United retourner jeune Rangnick pour capable sauver saison pour eux. Eh bien, un coach qui a un pile influence dans le jeu, surtout Jürgen Klopp qui fait un pile éloge pour lui et pourquoi pas tout entraîneur allemand au fait qu'on est que lui son bon entraîneur. Mais c'est lui qui a supposé redresser saison ça pour Manchester United et pourquoi pas pendant deux autres années qui a venu au servi comme un conseiller pour l'équipe Manchester United là. Nous parlons toujours dans le pays l'Italie avec Mercato que le journal Tutto Sport lui vient avec dossier Juventus, Inter et Milan. Journal là qui a l'épine pour le faire connaître que l'équipe Juventus là lui-même qui a fait un pressing pour Zakaria International Suisse qui a joué l'équipe Borussia Mönchengladbach là. Et pourquoi pas Vlahovic également que le temps même dans le mois de janvier qui va venir là. Mais pour l'équipe Inter de Milan, c'est priorité pour Brozovic pour renouveler avec International Croate là. Mais bon, côté par les gagnants, Pioli lui-même qui t'a supposé renouveler avec l'équipe Milan AC jusqu'en 2024 selon le journal ça. On a toujours été dans le pays l'Italie avec l'équipe AS Roma lui-même qui était engagé dans la Ligue Europa Conférence avec une belle victoire 4-0. Journal Il Romanista mettait à la une Luca Zaniolo. International italien qui était bas, yon passe décisif et qui était marqué yon goal encore dans la rencontre là et qui était mené l'équipe là vers la victoire sur l'équipe Zoya Luhans là. Et bon côté par Ligue Journal Corée de l'Esport qui vient sous belle victoire en déplacement équipe Lazio de Rome dans le Lokomotiv Moscou 3-0 notamment avec un Siro Immobile qui était on fire. Mais Journal Atou qui vient avec grand compte qui parle gagner pendant le week-end ça entre la Juventus avec l'équipe Atalanta Bergamia. Journal là qui fait qu'on est que si vous arrivez à gagner, mais ça qui a vraiment mis en confiance, mais qui m'a dit pour capable de risquer toute bagaille. Et bon, côté par le journal Papier Rosa, lui-même qui se gazette de sport, il vient avec un moment incroyable, équipe Milan CA. Il fait qu'on est que Milan à la rescousse, puisque équipe Milan qui déjà renouvelé jusqu'en 2023 avec Pioli, avec une adoption jusqu'en 2024. Très bien placé en deuxième place dans la Série A et qui gagne toute chance pour qualifier pour les 8e de finale dans la Ligue des Champions, équipe Milan CA qui est capable de surprendre tout le monde en ça. Toujours en Europe, c'est pas Jodia là qui parle d'un tirage au sort, qui parle mettre face à face l'équipe qui n'a chapeau 1 avec chapeau 2, qui parle jouer barrage pour Coupe du Monde 2022. Là. N'a pas bloqué parmi 12 équipes, c'est 3 seulement qui a joué une qualification pour Coupe du Monde. Là. Et bien mes amis, allez qu'on a un espace commentaire, dis-nous dans 12 équipes, qui toi là-dedans vous pensez qui a qualifié pour jouer Mondial 2022, mettez opinion pour un commentaire. Voilà qu'on a dans le pays l'Espagne avec Journal Marca lui-même qui vient avec un pile éloge pour milieu de terrain équipe Real de Madrid qui c'est Toni Kroos. Journal là qui même mettait à la une le chef. Il fait qu'on est que mais international allemand qui retournait avec meilleur niveau football et mais définitivement qui imposait totalement. Journal là qui même allait plus loin pour le faire qu'on est que Toni Kroos c'est une meilleure recrue Real de Madrid. Toujours dans le pays l'Espagne, Journal Arsenal qui vient avec 4 Brésiliens qui sont équipe Real de Madrid qui a fait une très belle saison notamment avec Vinicius Junior, Casemiro, Militão et Rodrigo. Journal là qui mettait à la une Samba Madrid. Journal là qui m'a malé plus pour le faire connaître Ancelotti qui fait en pile confiance et mais Anessa, 4 Brésiliens qui est en sommet 68 matchs déjà. C'est Real de Madrid dans la vie rose, mais bon côté FC Barcelone, c'est pas comme ça puisque Journal Sport lui fait connaître que MSC un casting pour capable jouer un attaquant idéal pour 11 lits et mais Xavier Hernandez qui gagne 3 joueurs en mêle. Équipe FC Barcelone qui gagne un contre combien important face avec Villarreal en déplacement et mais selon Journal ça, c'est un casting pour qui est-ce qui va occuper l'aile gauche FC Barcelone. Le bagage qui sûr c'est que Journal là les pile pour le faire connaître que Arthur Cabral international brésilien qui a joué dans FC Ball et metta une signature à la vue. Le même qui t'a surnommé le nouveau Lewandowski, mais quand même Journal là qui venait avec une très mauvaise nouvelle également qui fait connaître que Pedri pas capable de jouer pour FC Barcelone jusqu'en 2022. Journal Mundo Deportivo bon côté pas limité à la une, il a cherché un goal, il a cherché un attaquant. Selon Journal ça, FC Barcelone qui a cherché pour le faire sauter Mercato Hivernal là pour acheter un attaquant, mais il y a un petit doute entre un numéro 9 ou bien un bon ailier. Mais quand même, Journal là qui a l'épine pour le faire connaître que Cavani avec Werner, lui-même qui a joué dans l'équipe Chelsea, c'est deux joueurs qui ont vraiment remis un profil. Si il y a deux joueurs, ça va capable venir, mais quand même, il y a Ousmane Dembélé qui t'a supposé quitter FC Barcelone direction Newcastle selon Journal ça.
Offre de renovation FC Barcelone nan Ousmane Dembélé qui t'a considéré l'agent trop petit et mais définitivement Newcastle qui t'a prêt pour capable offrir un contrat de 5 ans avec 15 millions d'euros par année. International français qui t'a semblé bailler en priorité avec équipe Newcastle. C'était un gros plaisir pour nous déposer tout ça qui a dominé l'actualité football là pour mes amis. Songez pour capable partager vidéo ça, c'est seule façon pour capable aider le travail à arriver plus loin que possible. Quand t'as pour nous, on a besoin de la prochaine vidéo. Bon week-end tout le monde, songez pour capable préparer un amour pour retour Christ là, son bagage qui est essentiel.